très exactement, il y a 3 millions d'années. Il n'y a pas un loup dans ton histoire. Et dans cette histoire, à un moment, il y a un loup qui passe. Et donc, après, alors elle commence il y a 3 millions d'années, après la naissance du soleil. Et on se baladait main dans la main avec notre géant, notre géante préférée. Il y avait plein de petits géants d'eau comme ça qui couraient partout. Quand on avait soif, c'était pas très compliqué, on avait juste à attraper un nuage au passage, comme ça. Et puis, on buvait à même la source de la nuit. Et puis, quand on avait faim, c'était pas compliqué non plus. On s'asseyait à la table, on se faisait un petit tabouret en pierre. Il y en a encore un peu partout dans la campagne d'ailleurs. Un petit tabouret en pierre, on s'asseyait sur le tabouret. On s'asseyait à table. Et cette table, c'était la forêt. Il y a bien longtemps,
mon père, mon papa, c'est pas vrai, mon père a combattu un sorcier, un chevalier féon, mais aussi un sorcier. Il semait la terreur dans la région et il l'a tué. Mais avant de mourir, il a lancé cette malédiction sur moi. Ainsi suis-je l'ère hideuse. Le jour, mais belle la nuit. Alors peut-être, Doucine, pourrez-vous peut-être briser cette malédiction. Je vais vous poser une question, une seule question. Et à cette seule question, vous avez droit à une seule réponse. Mais attention, répondez bien, car de cette réponse dépend notre amour, dépend notre destin, dépend notre bonheur. Me voulez-vous belle de jour ou de nuit? Ah. Ouais. Car il se dit, j'ai tellement envie de la prendre, ensuite elle est tellement belle. Mais demain matin, au premier chant du coq, je vais retrouver la femme hideuse. Et là aussi, je ne peux pas la ramener au château, ce n'est pas possible. Elle est affreuse, oui. Mais le soir, lorsque je remonterai à nouveau dans ma chambre, je vais la retrouver. Alors que répondre? Et là, il se pose la question. Il se pose la question. Il se creuse. Et le cœur aussi. Et est-ce, parce que la fenêtre est ouverte, le chant d'un merle tout au fond du parc qui va l'inspirer? Ou alors Gauvin est l'ami des fées et le préféré des fées. Peut-être qu'une petite feuillette est restée cachée entre les rideaux du baldaquin et lui souffle la bonne réponse. Ou alors Gauvin est un vrai chevalier. Alors Gauvin met un genou en terre, prend la main de sa belle et lui dit: belle dame, mon aimé, je serais bien égoïste de choisir à votre place, puisqu'il s'agit aussi de votre bonheur, de votre destin, de votre amour. Alors madame, c'est à vous de choisir. Elle lui dit doucement: vous avez donné la bonne réponse. Celle que toute femme attend, qu'on lui donne la liberté de son choix. Et puisqu'il en est ainsi, je serai toujours aussi belle de jour que de nuit. Merci beaucoup à Pierre, merci beaucoup à Jeanne Sartre. Merci. Merci.